cette première période de prolongation. 5 lancés par les Nordiques jusqu'à maintenant, un seul par Montréal. Sundin après la mise au jeu, passe à Rosinski. Rosinski revient sur ses pas. La remise à Sundin qui s'esquive le long de la rampe. Sundin est lancé, bloqué par Roy. Il a voulu le surprendre, mais Roy a le dernier mot. Voilà Danfous avec une passe interceptée par Sundin. Le relais à Goussaroff. Goussaroff vers Sundin à nouveau, mais Desjardins récupère la rondelle abandonnée par les Nordiques. Desjardins à Danfous. Voilà Danfous qui s'amène en zone adverse. Une belle percée à Kurt Muller. Et goal! Très mauvais but donné par Ekstall. Et c'est une grosse victoire emportée par les Canadiens sur leur 29e lancé du match. 29e tir du match. Et ça, c'est le but. Un but qui vient probablement de sceller l'issue de cette série. Voilà, Jacques Demers satisfait. Une descente à 2 contre 1. Les Nordiques venaient d'essayer de forcer le jeu dans la zone du Canadien. Jusque-là, ils avaient déjà 46 lancés au but. Ça survient à 7 minutes. Non. Ça survient à 8 minutes, 17 secondes. Oui, alors c'est Danfous qui descend. Il descend à 2 contre 1 en diagonale avec la passe vers Muller. Et voilà, Muller qui va l'annoncer qui passe entre les jambières de Ron Ekstall, qui connaît une très mauvaise soirée. Il a choisi un mauvais temps pour connaître sa pire soirée, en fait, de la série. Il a donné, il a été faible sur 3 buts. Et celui-ci, évidemment, c'est un but qui est impardonnable puisqu'il donne la victoire aux Canadiens. Le Canadien qui a été opportuniste là-dessus. Et alors, voilà, on a vu le jeu. Et là-dessus, bien, j'étais à couper le chiffre des lancers. Alors, le but Muller, son deuxième de la série sur des passes de Danfous et Desjardins. Et en prolongation, un lancé. Le lancé qui a donné le but à Kurt Muller. Et pour les Nordiques, 5. Alors, pour les Canadiens, dans le match 29, pour les Nordiques, 46. Merci, Claude. Dans quelques instants, le choix des deux étoiles.